heures de Disney, on se retrouve. C'est toujours mignon. C'est tout mignon. On se retrouve aujourd'hui pour un petit fanart. Pour un petit fanart. Donc, on a déjà fait, et vous avez aimé, les princesses en mamie et les princesses vieilles dessinées par. C'est mamie. Dessinées par Isaac Areas. Donc, voilà, vous avez vu, on a fait deux vidéos sur les vieilles. Les vieilles. Voilà, la prochaine fois sur la maison de retraite. C'est un peu ça d'ailleurs, hein, ce qui va se passer ici. Oui, oui, bah oui. Donc on avait fait les premières princesses vieilles, je sais plus quel artiste c'était, mais ça sera en fiche, excusez-nous, ça fait longtemps. Et donc là... Isaac Areas avait fait aussi des princesses vieilles, enfin disons, de la date où leur film est sorti à aujourd'hui. Voilà, donc, à quoi elle ressemblerait en 2015, puisque c'était à l'époque. Et là du coup, ça serait... bon du coup on est en 2018, mais là c'est à quoi ressembleraient les héros en 2017. Donc t'as pas à y avoir énormément de différence. C'est pas si vieux non plus. Donc on va regarder ensemble, donc il s'agit de Isaac Areas, ou Area, qui a fait ses jolis dessins. On commence tout de suite par... Oh mon dieu! Eh ben, le copain à Blanche-Neige, qui s'appelle Florent ou Florian, je ne sais jamais, je suis désolé, à chaque fanart on perd du temps là-dessus. Il aurait 100 ans! Et ouais, il aurait 100 ans, parce qu'il est sorti en 1937, donc il aurait 101 ans, pour être exact. Donc voilà... Et mais ben, ouais. Un vieux quoi. Bah oui, il y a pas. Bah il y a le menton qui. Non, pas le menton, les joues qui tombent, les. Normal, les oreilles aussi. Bah, on reconnaît surtout, bizarrement, moi c'est bête, mais je le reconnais surtout grâce à ses yeux et à son nez. Les yeux et le nez, ouais, parce que sinon il a vraiment les traits qui tombent. Et le visage très rond, mais sinon c'est vrai que. Il aurait pu lui laisser un chapeau, truc de prince un peu, parce que l'on dirait juste qu'il en pull. Mais du coup, on me l'aurait caché, j'aurais peut-être pas pensé à lui tout J'aurais de pas suite, pensé, moi, ça. Hein. Mis à part comparé à peut-être d'autres, en sachant que lui, forcément, c'est le plus vieux de tous les princes, c'est le premier qui est sorti. Ouais. Hein. Donc voilà pour celui-là. N'oubliez pas de nous dire quel est votre préféré en commentaire, celui que vous trouvez le. Celui qui vous fait le plus peur, etc. Ah, il a une petite moustache. Ah, il a gardé la petite moustache. C'est Philippe. Il s'agit du. Non, c'est le prince de Cendrillon. Donc oui, il me semble bien qu'il s'appelle Henri. C'est le copain. Oui, cette fois c'est sûr, c'est le copain de Cendrillon. C'est enfin Henri. le prince charmant. Oui, parce que jamais son père évoque son nom, hein. Mais ouais, il me semble bien mais qu'il. Mais du coup, il ressemble un peu à son père. Pour le coup, oui. Pour le coup, oui. La moustache. Oui, mais du coup, tu vois, ce qui me faisait me perdre en fait, ce qui me fait souvent me perdre, c'est le fait que le père à Philippe, on le voit beaucoup aussi. Il dit beaucoup Philippe. Mais oui. Philippe, j'adore. Alors que dans Cendrillon, on dit mais il faut qu'il fasse des gosses. Enfin voilà, c'est et du coup je sais pas pourquoi. Passons au suivant. Donc il a la moustache, c'est sympa justement de pas s'être dit on prend juste sa tête, on enlève des cheveux quoi. Oui. C'est du style et après un autre style. Oh. Eric. Et ben il a pas. Attends, il a pas. Bah, il a 46 ans, oui c'est vrai. Ouais bah ça passe hein. Il est. Oui en 89, c'est pas si vieux que ça. Hein. La petite sirène en fait. Hein. Et donc il aurait 47 ans. Il a pas changé de vêtements pour le coup lui. Ouais lui par contre lui non lui il reste au bord de la plage. Il fait pas prince d'ailleurs à cause de ça. Il sait pas plus mal, c'est peut-être pour ça que c'est un des princes préférés de beaucoup de gens. Dites-nous quel est votre prince préféré en commentaire. Je crois qu'on l'a jamais demandé, ça pourrait être sympa. Et oui, poivre et sel, un tout petit peu de barbe, le visage légèrement un peu plus asséché, on va dire. Asséché. Il a gardé ses yeux couleur bleue un peu comme ça, qui formera plus tard. Parce que j'ai vu un best-of où on voit les créateurs de Mélodie, la fille à Ariel et à Eric, où justement ils ont dit on pouvait pas rater le personnage, même s'il est raté pour beaucoup de monde, parce que c'est la seule princesse qui a eu un enfant, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et ils ont montré qu'ils ont fait le mélange des deux couleurs, des deux yeux, des deux parents, et qu'ils ont gardé ça du père, ça de la mère, la texture des cheveux à Ariel, mais la couleur des cheveux à son père, enfin voilà. C'est très intéressant, ça a été très intéressant. Je sais pas s'il peut être trouvable sur internet. Ah bah voilà bah, Philippe. Voilà, ah bah Philippe était mieux avant. Ouais, mais il est bien parti pour être Merlin. Mais on reconnaît beaucoup mieux ses traits que les autres. Que Henri et Florent oui, ou Florian. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On reconnaît bien son petit nez, la coupe un peu... petit Elvis, tu sais. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Isaac Areas les montre un peu comme des acteurs, parce qu'il les montre avec des vêtements très récents. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est comme si on l'avait connu à 20 ans, en 1959, et que 78 ans
Non, qu'une fois à 518 ans, et ben voilà, il a des vêtements que nous on pourrait porter. C'est juste des chemises. Donc ça, c'est intéressant comme, comme point de vue, je trouve. C'est qui? Ah, oh, c'est, non, c'est Adam. Il est toujours aussi moche. Ouais, c'est pas. Il pique les yeux. Je sais pas. Bah, disons qu'il est plus beau que le dessin qu'on voit dans le film. Mais là, tu vois, il a gardé les couleurs de la, belle, de la bête. Bleu, ah oui, les vêtements. Jeune, ouais, ouais, d'accord, ouais, ok. J'étais en train de regarder le visage. Les poils. Pareil, oui, voilà, un peu grisonnant. Il aurait 47 ans. Il a trois cheveux blancs qui se battent en duel. Ouais, il s'est fait couper les cheveux. Ouais, tu vois bien les deux petits cheveux blancs, ouais, à c'est l'avant. Ça. C'est. Non, mais décidément, lui, non. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de, bah, qu'on a déjà faite d'Isaac Arias aussi, où justement on voit Belle un peu plus vieille, comme ça vous pouvez reformer vos couples. Ensuite nous passons à... Oula, oh, déception de princesse. Oh non. Oui, en fait on s'excuse, on n'aura pas la web, on n'a pas de caméra pour cet épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est en train de montrer son petit trait blanc sur le côté. C'est John Smith. Ouais, là, c'est le pire, c'est que je crois que c'est le plus moche de tout ce non, qu'on a ouais, vu. Là, quoi. Franchement, il est râpé. Hein. Enfin, râpé, Il est, attention, il est pas moche dans le dessin, hein. Attention. Non, 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 le dessin n'est pas moche, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est John Smith c'est sera que... moche. C'est tout ça, parce que c'est vrai qu'en suivant les traits, ou c'est les... Ou pas, mon goût, voilà. C'est les traits... Attends, t'as déjà frappé Pocahontas deux fois dans Disney épisode sur Pocahontas. Hein. Encore une fois, allez voir dans l'affiche pour voir notre Disney épisode sur John Smith pour voir à quel point Princesse aime John Smith. Elle a défoncé Pocahontas deux fois. C'est mon John Smith. Ou d'ailleurs, t'en parles même dans le Disney épisode sur Mulan. Salaud, c'est John Smith revient. C'est vrai. Donc voilà, pour celui-là, c'est vrai non, que... Ouais, non, et non. C'est pas déconnant, regardez les deux visages, c'est exactement ses traits, mais John Smith, faudra le quitter, faudra le quitter un moment. Hein. Donc il aurait 49 ans. Ouais. Et il avait 27 ans quand même dans le... Ah ouais. Dans Pocahontas, on dirait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Non. Oh mon dieu, j'ai pas vu Phébus au début. Je me suis dit, c'est qui? Oh non, mais non. Mais non, mais c'est pareil. La princesse... Mais non, mais les deux, là, c'est possible. Les deux chéris à princesse d'enfance. 36 ans, pareil, hein, putain, je le voyais plus... Enfin bref. Ah ouais, c'est vrai. Moi aussi, je le voyais plus jeune. Mais qu'est-ce que... Non. Non, là, c'est vrai que... Je sais pas si j'aurais reconnu. Non, franchement, j'aurais... Mais pourtant... Tu sais ce qu'il me rappelle? Mmh. Le Seigneur des Anneaux. Le roi. À vos théories. Phébus est devenu le roi. Non, mais c'est vrai que c'est les mêmes yeux, c'est le même nez. C'est vrai qu'Isaac Arias n'a pas, ne l'a pas forcément mis en sa défaveur. Hein. Il a mis des, il a éclairci ses cheveux, mis quelques rides. C'est vrai que c'est la déception. Ah oh. Bon. Les filles. Je parle aux princesses. Partez. Partez pendant qu'il en a non, mais encore bon, temps. Moi, lui, j'ai jamais vraiment accroché, donc je m'en fous, en fait. Oui, mais bon. Donc, il s'agit de Chang, à 42 ans. Ah, il avait 23 ans seulement. Ouais, 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 ouais. D'accord. Bah, dis donc, il était costaud, hein, parce que quand tu vois Phébus, il avait bien... Il était 10 ans de plus, pratiquement. Ans. Ouais. Donc, voilà. Et eh ben, ouais, c'est vrai, bah voilà, quoi, les traits un peu plus marqués, légèrement grisonnants, à 42 ans, ouais, t'es pas encore... vieux, hein, faut dire ce qui est, hein. Tiens, pour toi, pour rigoler, à quel âge êtes-vous vieux? Ouais. Tout dépend de la... du mental. Bah pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mon arrière-grand-père, pour dire, à 95 ans, il avait une mentalité de quelqu'un de 50 ans, quoi, il s'arrêtait jamais, donc c'était super impressionnant. Et il y avait des gens plus jeunes que lui qui disaient « Oh, mais c'est vieux !» parce qu'ils étaient vieux dans leur tête. Ouais. Donc voilà. Ou sinon, pour vous, hein, dites-nous, hein, si vous êtes... À partir de quel âge on est vieux. À partir de quel âge. Et ne dites pas 30 ans, s'il vous plaît. Ne dites pas 30, parce que... On s'y approche fortement. Et peut-être qu'on y est le jour de la sortie de cette vidéo. Bon anniversaire. Oh non, c'est pas... Il y a quelques traits qui sont marqués, mais... Comme tu dis, c'est pas... C'est pas... 38 ans, hein, il avait 18 ans. Il est pas vieux, on peut pas dire vieux. On peut dire en 2017. De toute façon, en plus, on le voit vieux, Hercule, dans le film. Alors, on sait à quoi il va ressembler. Ah bon?
Et bah oui, quand il vieillit dans la rivière, tu sais, à la fin. Ah, mais oui, bien sûr, oui. Vraiment bien, bien vieux, d'ailleurs. D'ailleurs, il a perdu son tournicotis, comme je le dis dans le Disney épisode d'Hercule. Allez voir le Disney épisode d'Hercule. Je crois qu'il n'y aura pas assez de plage dans l'affiche. Voilà. Mais c'est... Mais j'accroche pas celui-là. Non, bah non. Pourtant, il n'est pas bien vieux. Mais voilà, c'est qu'il a changé de coupe aussi. Ouais. Il est trop carré, là, d'ailleurs. Ouais. Et pourtant, regarde le jeune. Ouais. Il y a un truc. Et puis, avec son petit débardeur, ça fait un peu zizi folie ce soir. Allez, les copines, on y va. On va au sauna d'Hadès, de descendant. Tout est lié. 38 ans, bah ça va. 38 ans approximativement. Ouais. Ah, bah ça va. C'est le plus beau. Ouais. En fait, il a rien de... Il a un air bestial. Il a deux rides en plus et une barbe. Ouais, c'est tout. Et ça lui va bien. Mais il a pas les yeux aussi verts, normalement, dans le film-ci. Je sais pas. Un peu plus clair, non ? Je vois pas Isaac non plus trop modifier les couleurs. Mais après, c'est pas... On dirait un peu Jésus. À vos théories. On va pas y arrêter. Donc, oui. Non, c'est... Je trouve cool. Ouais, franchement, c'est le mieux depuis le début, comme tu dis. Y a pas de souci, il va bien vieillir. Jane, ouais. C'est bien. Même si t'es cucu dans la série. Quiche. Allez voir notre vidéo sur Jane la quiche, qu'on a vraiment fait en plus. Quiche. Bah là, c'est l'avatar de Isaac. Voilà. Ah, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc voilà, quel a été ton préféré, toi ? Tarzan. Tarzan, et il y en a quelques-uns qui n'ont pas changé, mais c'est vrai que la déception quand même. Phoebus et John Smith là. Oh, ouais, pourtant c'est vraiment tes deux. Et pourtant, il les a pas fait moches. Hein. Non, mais je crois que. En plus, John Smith quand même. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment. Ouais. Non, sérieusement. Non, Philippe était pas mal aussi. Non, Philippe, il a la classe, ça fait gentleman. Ça va. Ouais. Limite. Tarzan, Philippe, Eric, ouais. Tarzan, Philippe surtout. Ouais. Et vous dites-nous quel est votre préféré, etc. Après, ne mettez pas les pauvres Henri et Florian trop loin, parce que c'est normal qu'ils soient vieux. Hein. Il y en a un qui a 100 ans, il y en a un qui a 87 ans. Donc voilà, c'est plus dans le principe où. Mais après Tarzan, voilà, on peut pas dire qu'il est vraiment beaucoup vieilli, quoi, parce que c'est entre 21 ans et 39 ans. Donc voilà, dites-nous quel est votre préféré en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bisous.